Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un petit let's play sur le nouveau jeu Hokolive qui est sorti. Donc un jeu qui s'inspire énormément d'Animal Crossing, donc j'espère que ça va vous plaire et j'espère que ça va me plaire aussi. Mais j'en doute pas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu pour me soutenir si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas aussi à commenter pour qu'on échange ensemble. Et bien sûr à vous abonner à ma jolie team press si vous n'en faites toujours pas partie. Et puis écoutez, sur ce, on est parti, on se retrouve dans le jeu. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'adore la musique, franchement elle est trop belle. Cette icône indique que ton monde est en cours de sauvegarde, n'éteins pas ta console et ne quitte pas la partie. Ok, donc vous allez voir, ça ressemble beaucoup à Animal Crossing sur le principe du jeu, puisqu'il y a des habitants aussi, mais il me semble qu'il y a aussi des quêtes, donc c'est un peu différent sur d'autres points. Le jeu prend en charge le partage de contenu multiplateforme, veux-tu l'activer? Je sais pas, moi c'est quoi ça? Bon, on va l'activer, je sais pas trop ce que c'est. Alors, bon, oh là là, c'est trop mignon, vraiment la musique j'adore. Je sens que je vais adorer ce jeu. N'hésitez pas à le prendre sur l'eShop, il est pas très cher, il est à 20 € au lieu de 40, qu'en boîte il est à 40 €. Et en plus, il y avait une réduction, je sais pas si elle y est encore, mais moi quand j'ai acheté le jeu il y a 2 jours, il y avait une réduction supplémentaire et du coup il était à 15 € au lieu de 20 €. Et en plus, j'avais mes points du coup sur le Nintendo puisque j'ai acheté Dreamland Valley récemment, du coup j'avais 2 € en points, plus un autre jeu, enfin bref. Et du coup, ça m'a fait une réduction, donc je l'ai eu à 13 €. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre sur l'eShop parce qu'il est pas trop cher. Alors on va regarder les coiffures, je crois que les coiffures sont pas faux folles. On va pas chercher à être incroyable. Oh, j'aime bien celle-là. On va regarder après, mais je voudrais déjà changer les... Donc, la couleur de la peau. Voilà. C'est quoi personnaliser, là? Tâche de rousseur. Il y a une différence? Oui, il y a une différence, vous? Moi, j'en vois pas. Hein. Attendez, on va personnaliser. Hein. Les sous-tons changent, en fait. Ok. Ah, c'est marrant. Ok. Bon, on va pas trop toucher à tout, parce que bon... on peut la faire en schtroumpf. Je peux faire un schtroumpf si je veux. Comment je fais pour que la peau soit plus claire que ça? Parce que là, ça me représente pas vraiment. On peut pas faire une peau blanche? Attendez, moi les couleurs, les mélanges de couleurs, je comprends rien. Vous voyez, c'est assez simple. Bon, je vais mettre cette petite coiffure, elle me plaît bien. Et on peut pas changer les sourcils, parce que je les trouve pas très beaux, les sourcils. Ils sont bizarres, genre ils sont gelous, en fait. Bon allez, on est parti, c'est parti, on y va. Go go go. Ah trop bien, on est dans un train, bah comme dans l'ancien opus d'Animal Crossing. ASML, je sais plus lequel. Alors, on est arrivé, par contre il pleut, j'ai pas de chance ou ça se passe tout le temps comme ça? Alors on peut zoomer, dézoomer comme ça. Et je peux pas bouger par contre l'écran. Ok. Alors l'image est un peu... c'est pas... ça fait flou du coup avec la pluie, je sais pas si c'est une question de la pluie, c'est le jeu qui est comme ça. Bon, on verra. En tout cas, j'adore comment elle court. Je trouve ça très marrant. Je trouve ça grave chou. On va là, puisque bah, y a de la lumière. Ah bah voilà, c'était là qu'il fallait. Bienvenue, bienvenue. Alors attendez, ma caméra, elle va gêner partout, j'ai l'impression. Voilà, comme ça, on voit les personnages. Bienvenue, bienvenue. Ils sont trop marrants. Donc lui, c'est Omar. Et lui, c'est Moss. On dirait qu'il pleut encore. Oui, il fait pas très beau, oui. Oui. Bon, alors dommage, les habitants n'ont pas de voix. Ça, ils ont tort de pas faire même un petit bruit. Ça aurait fait plaisir. Assieds-toi, repose-toi un peu. C'est dommage, moi j'aime bien qu'il y ait au moins un petit bruit. Oh là, le bug, pour le s'asseoir il est super loin. Bon le jeu il est pas... Bon ça c'est pas foufou quand même, hein. Je trouve que là c'est ils abusent. Hein. Tu veux une boisson chaude pour te réchauffer, un thé. Ça arrive. Eh bien c'est pas tous les jours qu'on voit une nouvelle tête au village. J'espère que tu n'as pas trop pris la pluie. Vous voyez c'est assez froid du coup le fait qu'il y ait vraiment pas de son dans... au niveau des personnages, je trouve ça dommage. Exécrable. Oui ce n'est pas faux. Dis-moi, tu n'aurais pas apporté le soleil avec toi? Bah ça se voit que non, hein. Voilà. Au fait, je m'appelle Oma et voici Moss. Ravie de voir une nouvelle tête au village. Comment t'appelles-tu? Eh bien, je m'appelle Tinaria. Ah, Tinaria, quel joli nom. Merci. Ravie de te rencontrer, Tinaria. J'imagine que tu ne sais pas où dormir cette nuit. Oh, ne sois pas bête, j'ai de la place ici, j'ai une vieille chambre à l'étage. Elle est sans doute poussiéreuse, mais un peu de poussière n'a jamais tué personne. Ah, c'est gentil. Bon après c'est très chill par contre, je pense que l'ambiance du jeu est assez cool, on va voir. Comment as-tu attiré? Je voulais du changement. Hop, bonne idée. Un peu de changement fait du bien de temps en temps. Exactement. Alors par contre, la caméra, je sais pas si vous voyez dans le jeu, à chaque fois qu'on change de dialogue, ça bouge un peu, c'est pas très agréable. Oui mais j'y pente moi, je dois me procurer de nouvelles tuiles. Quelques-unes sont tombées lors de la tempête de l'année dernière. Vous voyez ça là? Je sais pas si vous voyez, c'est très désagréable visuellement. Je devrais avoir ce qu'il faut pour rafistoler ton toit. Ah ouais non, si c'est fatigant là. Fantastique, bon ça on n'arrête pas de discuter. Bon je vais zapper un peu le... Je vais faire ça de mon côté et puis je vous retrouve du coup un peu plus loin dans le jeu. Du coup, hop.
Bon, c'est une petite pièce pour dormir, c'est bien. C'est gentil, au moins il m'héberge, c'est très gentil. Du coup, alors je sais pas le temps, comment il se passe dans le jeu, on va voir si c'est dans le comme nous dans la vraie vie ou pas. Tu as bien dormi, très bien. Parfait. On dirait que tu nous as amené le soleil, trop bien. Prends le chemin vers le nord si tu veux visiter le reste du village. Ok, bon, on va visiter, hop hop hop. C'est ça qu'il appelle beau temps. Les couleurs sont pas ouf, hein. Parce que c'est le matin. Le jeu est vachement, je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression qu'il est terne. Genre, je sais pas, ça me perturbe. Bon bah c'est peut-être parce que c'est le matin. J'espère que les couleurs seront un peu plus belles après, parce que là, ouais, c'est terne. Hein. Tu n'aurais pas apparu une écharpe rouge dans les parages, dis-moi. Elle a été emportée par le vent, je la retrouve pas, non. Mais on peut essayer de la trouver. Préviens-moi si tu la trouves. Ok. J'ai pas beaucoup d'argent, hein. Je suis pauvre, j'ai une pièce. Donc ok, il y a des rivières, là il y a une maison qui est en piteux état. On va essayer de trouver son écharpe. Là, il y a une autre maison. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Oh, il est trop marrant, lui. Alors, est-ce qu'on a tous les mêmes habitants au début? Poa. Oh, waouh, une nouvelle tête. Bienvenue, je suis Poa. Il est trop marrant. Tu as réussi à trouver mon écharpe disparue? Pas encore. Ah, mais c'est celui de tout à l'heure. Bah. Je l'ai même pas reconnu. La honte. Jure, je suis pas possible, moi. Genre, j'ai même pas reconnu. Oh, ça va pas du tout. Ok, l'atelier est verrouillé. Alors, est-ce que sur la plage, on va trouver quelque chose? Ok, on peut ramasser des coquillages. Ok, alors, quand on passe dessus, ça ramasse automatiquement, donc ça, c'est plutôt cool. Bon, alors, visiblement, on peut récolter les plantes. Donc, je sais pas si ça sert à quelque chose. Écoutez, je vais les récolter. Ah, attendez, c'est pas un truc rouge, là? Elle est là, son écharpe. Voilà, on l'a trouvée. Nickel! Et le voilà! Il est mignon, c'est un petit cochon, on dirait. Oui. Quoi? Incroyable, merci mille fois. Bon, où est-ce que j'en étais? Trop bien, on va me construire une maison. Ça, je suis toute oui. Avoir ma petite maison, ça va être beaucoup mieux. C'est parti, je suis motivée, on va construire ma petite maison. Coucou! Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? De toute façon, j'ai pas d'argent pour le moment. Allez, salut! Tu m'aides? Ah, Tinaria, tu vas parler à Oma? Oui. Bien, bien. Ça ne devrait pas être trop compliqué de rattraper une de ces maisons. Les débris. Tu as raison, il faut dégager ce bazar. Tu sais quoi, je sais ce qu'on va faire. Il se trouve que j'ai une vieille hache avec laquelle je pourrais élimer ces bûches et ces branches. Tiens, va dans l'une des maisons et mets-toi au travail, ensuite on passera à la rénovation. Ok, c'est parti. Je suis désolée pour le bruit, il y a des artisans qui sont là pour s'occuper des tuiles de la toiture, etc. Tuiles de la cheminée, enfin bref. Donc je suis désolée si ça fait un peu de bruit, désolée. Non, je dis des bêtises, il y en a une là, mais moi je veux celle-là du coup, attendez, non, on va prendre celle-là. Je veux celle-là, elle est plus belle. Elle est mieux placée, je préfère. L'autre, elle est cachée, j'aime pas. Là, je suis juste à côté de la rivière, j'ai des petits arbres devant, c'est parfait. On choisit celle-là. Alors vous avez vu, en fait, quand je tape sur les branches, je peux taper sur n'importe quelle branche, par exemple, je pourrais taper là. En fait, il n'y a rien qui s'affiche. Donc on n'est pas habitué dans les jeux, parce que nous, on est habitué à cliquer qu'il y a un truc, et là, c'est pas le cas. Bref, donc je finis d'enlever tout ça et je vous retrouve après pour la rénovation. Du coup, bah, le jeu est assez c'est sympa, c'est mignon. Par contre, c'est un peu vide, donc c'est très chill. C'est un petit jeu à faire pour se détendre en fin de journée, je pense. C'est pas très vivant pour l'instant, mais peut-être qu'en refaisant le village, ça va être plus vivant, on va voir. Mais je pense que vraiment, moi, le fait qu'il n'y ait pas du tout de voix sur les personnages, même une petite voix juste au début, ça me dérange un peu. Je trouve ça un petit peu dommage, du coup. Alors, hop, je mets mes bûches. Du coup, il m'en faut 40. Et voilà. Tiens, et bien ça alors, tu as réussi. Je reconnais à peine cette maison. Quelle transformation. Pas mal du tout. Tu dois être aux anges, Tinaria. En vrai, c'est sympa. Il y a de la forêt, il y a des arbres, il y a même des montagnes, ça se trouve. De l'eau, c'est trop beau. Hein. Tu sais quoi, il faut fêter ça. Exact. Tu l'as bien mérité, Tinaria. Je vous invite à dîner. Oh, et bien... A très bientôt. Ce ragoût était délicieux. C'était ton meilleur, Oma. Oh mince, il était mieux avec son chapeau. Le cochon était plus beau avec son chapeau. C'est gentil, Moss. Les repas sont toujours meilleurs après une dure journée de travail, ça c'est clair. Après tous ces efforts, Tinaria va pouvoir s'installer dans une jolie maison. Bravo, Tinaria. Bon, bah pour l'instant, ma maison, hein, elle est un peu vide. Hein. Mais bon, on a de quoi dormir. Mince, j'ai cliqué sur 2 heures au lieu de 6 heures, je me suis trompée. C'est pas grave. On vient me parler dès le petit réveil. Bonjour Tinaria, tu as bien dormi, j'espère, oui. Parfait, après notre petite fête d'hier soir, j'ai bien réfléchi. Le fait de rénover cette maison a bien changé le village. Je me suis dit qu'on pourrait faire d'autres choses pour améliorer l'environnement. Tu en dis quoi? Bonne idée.
Alors par contre, moi je le veux, ça c'est quoi? Bon, je peux rien acheter, j'ai pas les moyens. La vie est dure. Ok, donc ils vont me demander une jardinière. On va décorer un petit peu. C'est parti. Je sens que ce village va devenir beaucoup plus beau qu'il ne l'était. Ça va pas être dur. Il y a du boulot, mais c'est parti, on va s'en occuper. Ok, lui me demande une clôture. Ouais, bah c'est parti, on va faire une petite clôture. On est parti, on va faire tout ça. Bah ça s'est super bien passé, écoute hein. Moi c'est merveilleux. Alors, on t'a demandé une jardinière et une clôture au village. Ça ne me semble pas trop compliqué. Je n'ai rien de ça ici, Sally pourra sans doute nous aider. C'est qui? Ah, c'est l'atelier, cool. Je crois, Sally est généralement occupée à bricoler dans son atelier. Pour l'atelier, il est là, c'est parti. Découvrons qui est cette petite Sally. Bonjour Sally. Oh, j'aime trop son atelier, c'est beau avec la lumière et tout, c'est trop joli. Tu dois être... ne me dis rien, Tinaria, c'est ça? Exactement. Salut, je suis Sally, ravie de te rencontrer. Bienvenue dans ma petite maison en bois. Bah, j'aime beaucoup, enfin mon atelier. Alors c'est parti, fabriquer. Donc, hop. Oh, dommage, il n'y a même pas de... C'est juste un écran de chargement. Bon, ok. Bon, bah voilà, on a ce qu'il faut. Waouh, regarde-toi. Ce jeu est plutôt mignon, franchement, c'est chou. Alors du coup, je les place où je veux, comment on fait? Là, voilà. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Comment les poissons, quand ils nous voient, les observer au-dessus de l'eau? Ouais, j'en sais rien, moi. Ils se disent qu'on est vraiment... Pourquoi est-ce que tu veux discuter avec moi? Ce que je raconte va sûrement te barber. Par contre, le point positif, j'aime beaucoup les musiques. L'ambiance musicale est très sympa, ça détend. La musique dans la boutique, elle est trop belle. Mais c'est vraiment dommage que les habitants ne disent rien. Ils pourraient même dire juste un petit mot, quoi, en fait. Juste bonjour. Même si tous les mots sont pas dits, mais bon, c'est un peu dommage. Tu l'as peut-être remarqué, il y a peu de place de l'autre côté de la rivière. La rivière n'est pas très large. Si tu lui demandes gentiment, Sally devrait pouvoir nous faire une sorte de pont. Bah, génial! Qu'en dis-tu? Ouais, on va faire ça. Si tu as quelques minutes, j'aimerais te parler d'une chose qui devrait te plaire à coup sûr. J'avais envie de te récompenser pour les efforts que tu fais pour améliorer le village, alors j'ai eu une idée. J'appelle ça les exploits de mer, mais ce sont juste des récompenses que tu peux débloquer en effectuant de petites tâches dans le village. Oh! Imagine que tu plantes des arbres ou autre chose, ça te fera progresser vers un exploit et une récompense. Tu trouveras un nouvel onglet dans ton sac à dos dans lequel tous les exploits seront répertoriés afin que tu puisses voir ta progression pour chacun d'entre eux. Regardons, donc on va dans X. Waouh, trop cool! Une fois les exploits réalisés, tu recevras une notification. Ok, cool. Bon, voyons voir ce qu'elle me dit. J'aime bien l'ambiance chez elle aussi. Tinaria, quelle joie de te revoir. Je parie que Moss a aimé les objets que tu as fabriqués pour lui. Qu'est-ce qu'on fabrique aujourd'hui? Un pont. Un pont? D'accord. Ok, c'est parti. Alors, on va fabriquer le modèle donné par Sally. Choisir un modèle existant, personnalisé et fabriquer. Oh, on n'a pas le choix, c'est que celui-là. Bon, en tout cas, il est joli, mais j'aurais bien aimé le personnaliser, moi. Ça a trouvé l'endroit idéal pour lui. Je te laisse faire ce choix, partenaire. Ok, c'est parti. On va aller le placer. Allez. Je pourrais toujours en faire d'autres, j'imagine. Eh bien, quel pont magnifique. Bravo, Tinaria et Sally. Tout le mérite revient à mon acolyte Tinaria. Moi, j'ai juste fourni le modèle. À vrai dire, deux de mes clients à l'auberge m'ont dit qu'ils aimeraient peut-être emménager ici. On peut le choisir ou pas? Ou on n'aura pas le choix? Oh, bah, il suffit de leur faire une petite maison, hein. Du coup, je vais récupérer des bois sur la nouvelle zone. Écoutez, c'est cool de pouvoir faire agrandir le village comme ça. C'est cool, le jeu a l'air vraiment sympa quand même. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser un peu dessus, donc à voir comment ça évolue. Alors, honnêtement, pour comparer à Animal Crossing, il est beaucoup plus froid le jeu. Il y a beaucoup moins de vie que dans Animal Crossing. Après, on n'est pas du tout sur le même tarif au niveau du jeu. Animal Crossing, c'est Animal Crossing. C'est incroyable Animal Crossing. Je pourrais jamais. Je pense qu'il n'y aura aucun jeu qui ressemblera à Animal Crossing qui pourrait être mieux qu'Animal Crossing lui-même en fait. Ou alors ce sera du plagiat complet quoi. Mais du coup voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un petit jeu qui peut être très sympa à jouer pour vous détendre. Si vous avez envie de changement, n'hésitez pas, ça fait du bien. Le jeu est pas très cher en plus. Donc c'est cool. Donc là je récupère le bois qu'il me faut. Et puis on va installer un autre villageois. J'espère qu'il sera mignon. Parce que là pour l'instant, à part l'éléphant qui est shoot, mais c'est pas un villageois. Mais l'éléphant elle est mignonne. On peut pas monter là-haut, faudra des rampes, j'imagine. Mais en tout cas c'est assez mignon. J'ai l'impression d'être dans la nature, j'aime bien. C'est beau. Et voilà, on a mis tout ce qu'il fallait. Eh bien, voyez-vous, cela encore une maison joliment rénovée. Je dois dire que ton arrivée ici a changé bien des choses, Tinaria. Quelle joie de voir notre petit village se développer. Alors, montrez-moi qui c'est qui s'installe, là. Alors, c'est qui? Ah, c'est le lapin. Vous savez quoi?
Je me lance. Je vais donner ma démission demain. Youpi! Et puis ça ne devrait pas me prendre trop de temps de faire mes cartons. Eh bien, c'est réglé. On va être sur les rotules après tout ce travail, ouais. On devrait peut-être aller se coucher. Oui! Merci d'avoir aidé Oma, je crois que c'est le dernier carton. Pas de problème. Ah, Tinaria, on vient d'aider Benny à emménager dans sa nouvelle maison. Je me sens déjà plus optimiste. La maison est magnifique, Tinaria. Il ne me reste plus qu'à défaire mes cartons. Il y avait plein de cartons à porter. Il y en a deux, Benny. Tu avais deux cartons. Oui, mais c'était très lourd. Tu peux faire la sieste si tu veux, Benny. C'est un village paisible ici, il n'y a rien de plus paisible qu'une sieste, pas vrai? Au fait, maintenant que le déménagement est terminé, est-ce que tous les paniers sont réglés? J'aimerais bien discuter un peu avec Oma et Tinaria. Je me disais que ce serait intéressant pour tout le monde que j'installe un bureau ici. J'ai de nombreux contrats et je pourrais participer à la construction de futures maisons. Si vous acceptez, mon bureau sera prêt dès demain matin. Qu'en pensez-vous? Comme je l'ai dit, ce serait aussi intéressant pour vous. Oh là là, tout ça me semble bien solennel. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on peut construire d'autres maisons? Ce serait bien d'accueillir plus d'habitants et d'amis dans le village, d'accord? Bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Le jeu est plutôt sympa, alors c'est pas très interactif pour l'instant, mais peut-être que ça va le devenir après. Là c'est le début du jeu, je suis un peu dans le tutoriel, donc c'est normal. Mais en tout cas, le jeu pour le prix est très sympa, on passe un bon moment. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour le jeu ou non, qu'est-ce que vous en avez pensé si c'est le cas, etc. Ou est-ce que vous avez envie de craquer dessus? Voilà, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, l'ambiance est très sympa. Ça ressemble à Animal Crossing sur le principe d'avoir des habitants, mais sur le design et le reste, pas du tout, ça ressemble pas du tout. Donc voilà. Mais Animal Crossing restera franchement toujours au-dessus. Mais voilà, c'est très sympa, joli petit jeu, trop mignon. On se retrouvera sûrement sur d'autres petits let's play sur le jeu. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu pour me soutenir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Allez, bye!